Oh là là, mais ça me fait des bugs. Oh, j'espère qu'on va pas voir ça sur le stream là. Rien. Putain, c'est quoi cette merde encore? Vu qu'il y a rien, en fait, ça me met. Oh, attends, mais c'est sérieux, ça va pas faire ça? Cette ration, je vois rien. Comme de sérieux. Sur l'écran noir, je vois ma souris, l'icône de ma souris partout. Oui, je suis là. Attends, parce que là, ça fait loading vidéo. Est-ce que ça va démarrer? Tout, ti, tout, ti, tout, ti, tout. Skype. Twitch. Est-ce que tu nous entends? Que se passe-t-il encore? Twitch continue, moyen. Twitch qui continue à être Twitch. Oh là là, faut être motivé, hein. Oh bordel. C'est une méchante job, les walkthroughs et let's play. Oh non, mais... C'est incroyable le nombre de problèmes qu'on rencontre. Je sais pas si t'en as eu beaucoup, toi, au cours de tes vidéos, mais... J'ai toujours le problème où comme le son du jeu est toujours trop fort, là, pis un truc comme ça, ou qu'on n'entend pas trop bien le jeu, là. Je suis très perfectionniste. Ouais, moi aussi, mais c'est vrai que quand un truc marche pas, c'est vraiment saoulant, quoi. Ouais. Ah, apparemment, Aizen voit Roquefort, c'est-à-dire que la vidéo s'est peut-être rechargée. Ouais. Mais est-ce que ça a commencé? Je sais même pas. Quel daube, ce truc! Je sais même pas si on m'entend, en fait. Je sais même pas ce qu'ils voient, eux. Donc, je crois que je vais tout relancer. Bordel. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oh là 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 là, quel de... Bon, je relance. Lance-toi. Putain, mais merde, il y a encore ma souris qui est buggée en plein milieu. Loading vidéo. Ah putain, ça marche. Mais non, mais il y a le curseur complètement buggé. Ça a l'air intéressant, moi je vois rien de la sorte. Tu vois pas le curseur buggé sur Twitch? Non, le... c'est toujours le loading vidéo. Ah merde, apparemment ça s'est lancé. Il est en train de faire le Yola. J'ai pas réussi à mettre l'écran. J'ai pas réussi à mettre l'écran au milieu. C'est horrible. Ah, ok, ok, là je vois, il fallait juste que je reload la page. Bon, voilà. Bah du coup, on sera accompagné de ma souris qui... Attends, mais le pire, c'est que... Le pire, c'est que si je remets la souris vers le centre, normalement, voilà, regarde. On va faire des petits dessins. Est-ce que ça s'affiche sur Twitch? Bon. Let's go, ouais, c'est pas grave. On va s'en contenter. J'adore cet effet de souris. Cette F5, joli ton curseur. On peut dessiner avec le curseur de la souris, c'est une nouvelle feature de Twitch. Hein. C'est génial, je sais même pas ce que j'ai dessiné, on dirait une espèce de... voilà, une espèce de main qui est en l'air. Bon, bah du coup, j'ai même pas réussi à configurer ma manette, donc je joue au clavier. J'utilise NoGBA comme émulateur, et le truc pour configurer sa manette, ça a l'air complètement ignoble. Donc tant pis, hein. Je jouerai... au clavier, donc oui, ce super écran titre qui change en fait au fur et à mesure. Si vous attendez longtemps, il y a la nuit qui passe et qui le jour qui revient et tout, c'est pas mal. Trois fichiers de sauvegarde classique, donc moi j'avais fait le fichier 1. Voici donc la carte du monde. Attention, il y a du spoil. Fais des dessins. Ah, c'est énorme. Quand j'ai des bugs de curseur comme ça, je désactive et active la scène où il y a le bug. Mais je vois pas quelle scène ça peut être, puisque justement il n'y a pas de scène à cet endroit-là, Link Orange.
Il y a NoGBA à gauche. Ah si, ça doit être NoGBA qui bug. Mais pourtant, sur NoGBA, j'ai pris que la fenêtre. Je sais pas pourquoi ça me prend aussi la fenêtre qui a juste à droite. Mais si je le fais, ça va faire tout bugger, hein. Attends. Tandé. Tandé, tandé. Si je fais supprimer. Hop. C'est tout noir. Je vais ajouter. Capture de la fenêtre. Intérieur de la fenêtre. Est-ce que je peux pas plutôt sélectionner. Voilà, capturer une région. Je pense que je vais faire ça. Ah, mais voilà, c'est excellent ça. Je fais juste ça, moi. Ok. Et là, voilà, là c'est bon en fait. Sauf qu'il Manque faut le fait que. juste de. Ah, mais je savais pas qu'on pouvait. On peut éditer la scène en même temps que le stream en fait, d'accord. Ah, mais voilà! Là, je peux le dépasser où je veux! Yeah, c'est génial! Bon, ben, je vais le laisser au milieu. Par contre, on voit l'émulateur avec le. Attends. C'est moche comme ça, voilà. Comme ça, c'est mieux. Voilà! Excellent. Oui, je découvre OBS en même temps. Hein, c'est. C'est de l'arrache complet. Putain. C'est buggé parfois. Ouais, voilà, c'est un peu buggé. Bon, bref. On est parti, donc vous voyez la carte du monde du coup. Néon est toujours avec moi, pour information. Ouais, je viens juste de relancer Audacity. D'accord. Juste pour Alors, dire. voilà. Donc du coup, vous avez la carte du monde avec les différents mondes qui se présentent à vous. Vous avez 16 Todd à récupérer dans chaque monde. Je vais juste vous montrer pour voir quelle allure ça a. Genre le premier monde, en fait le monde bon, c'est super moche, c'est juste une espèce de ligne droite, un truc linéaire, vous avez genre 5 niveaux, plus un boss à chaque fois, et dans chaque niveau vous avez 3 Toads à récupérer, c'est complètement classique. Ce qui est pas mal dans ce jeu par contre, c'est que vous avez des pièces, vous avez un total de pièces qui vous permet d'acheter des trucs au shop. Vous allez dans le shop, il y a un petit Toad qui vous accueille aimablement, et vous pouvez voilà, acheter plusieurs trucs, genre des pouvoirs pour la princesse Peach et son parapluie. Des espèces de soda, je sais même plus à quoi ça sert, je crois que c'est pour augmenter sa vie et sa magie entre guillemets, pour utiliser des pouvoirs spéciaux. Et après sinon il y a des musiques à acheter ou même des petits mini-jeux, franchement c'est vraiment pas mal, même des pièces de puzzle. D'ailleurs j'ai pas tout acheté, mais c'est vraiment bien fichu quoi. Je pars d'ici, on peut y aller à tout moment. Donc on va juste faire le tout premier stage pour vous montrer, je vais le tracer. Oh putain, au clavier ça fait bizarre. Hein. Oh Donc, la particularité de ce jeu, c'est justement que la princesse Peach contrôle un parapluie, enfin elle porte un parapluie. Parapluie qui parle au passage. Pas chercher à comprendre. Je peux frapper les ennemis, après j'ai plein de coups spéciaux, genre je peux sauter et faire une attaque vers le bas, comme ça une espèce d'attaque rodéo. Mais ça au début du jeu, vous l'avez pas en fait, on l'apprend au fur et à mesure. Je peux planer avec mon petit parapluie. Je peux me défendre comme ça. Et sinon, qu'est-ce que je peux faire aussi? Une espèce de glissade de la mort. C'est comme Mega Man. Ouais, c'est trop stylé quoi. Vous n'avez jamais vu la princesse Peach comme ça. Et puis en dessous, bien sûr, il y a l'écran tactile avec les différentes humeurs de la princesse. Et on peut utiliser à tout moment les quatre émotions. Donc il y a la joie, il y a l'euphorie, il y a la colère et la tristesse, je crois. Et à chaque fois qu'on appuie dessus, en fait, ça nous donne un pouvoir particulier. Et ce pouvoir, une fois que vous l'avez activé, ça fait baisser votre jauge jaune qui est en haut à gauche. Ça, je crois qu'il faut que je le balance. Que je le balance sur ça. Voilà. Oh, des pièces. Ouais, c'est trop marrant. Bon, c'est pas un jeu pour les filles, hein. Faut pas croire ça de prime abord. Ah, les petits cristaux bleus, c'est pour regagner sa jauge là, de magie. Sa jauge d'humeur. Je vais activer, je crois que c'est qu'avec la souris, puisque c'est du tactile. Voilà. Je suis Princess Peach énervée. Oh putain, on la voit même pas, mais c'est buggé! On dirait un brûle. Attends, c'est buggé, parce que normalement, on la voit, la princesse, là, à l'intérieur du feu. Là, on la voit pas. Ah, c'est un peu buggé. Parce que normalement, on la voit énervée. What the fuck? Donc là, vous avez un petit bourgeon, vous activez la tristesse, et les pleurs de la princesse Peach font germer la fleur, enfin la plante.
Gonna cry a river about it. T'as vu quoi, tout ce qu'elle pleure quoi, elle pourrait noyer une ville entière quoi. Je sais plus où il faut aller. D'ailleurs, c'est quoi Oui? c'est quoi cette voyons c'est quoi cette bloc jaune? C'est comme il coupait là, comme les passages comme l'herbe verte et rose là, c'est Ça comme là, ça ouais, c'est moche. ouais ouais je Ouais, trouve ça bizarre. c'est mal fichu, hein, parce qu'en plus on peut même pas les frapper ni quoi que ce soit, on peut même pas les détruire. Ok, donc c'est juste du mauvais décor. Voilà, c'est mal fichu, ouais. Alors là, j'arrive déjà à la fin du niveau, ça paraît peut-être super court, mais en fait, ce qui est difficile à ce jeu, j'ai trouvé, c'est que vous avez plein d'embranchements particuliers, vous avez plein de tuyaux dans tous les sens, il faut explorer à chaque fois toutes les zones du niveau pour trouver tous les toads. Il m'est arrivé souvent de me paumer complètement et d'arriver à la sortie avant de trouver tous les toads. Franchement, c'est chaud, hein. C'est pas évident. Et à la fin du niveau, vous avez vu une espèce de roulette, c'est un peu comme. Enfin, ça me rappelle Yoshi Island, mais c'est pas exactement pareil, c'est juste que si vous arrivez à avoir l'étoile, vous avez 50 pièces, je crois. Enfin bon, ce qui nous intéresse, c'est la fin du jeu. Bowser Villa. Château de Bowser. Alors par contre, j'espère qu'il faut pas récupérer tous les toads du jeu, parce que là, je les ai quasiment tous, sauf deux ici, et un seul ici, donc s'il faut que je récupère tous les toads, je sens que je vais être un peu dans la merde, mince. J'ai appuyé sur B. Les claviers pour les jeux de plateforme, c'est les vrais qui font ça, mais là j'ai pas trop le choix, on va dire. Je le trouve soporifique par moment ce jeu. De quoi, Princess Peach? Tu as joué cette carte? Oui, le truc prend la fenêtre. Comment il va? Comment il va, Roquefort? Il déprime encore à cause de Pity. Roquefort est reparti en vacances là, donc. J'ai pas trop de nouvelles. Mais en général, quand il est triste, il part prendre l'air. Attendez, ça me fait peur là, parce que je peux pas. Pourquoi je peux pas activer celui-là? Oh non, je peux pas aller au dernier niveau. Tu déconnes. Il va falloir que je Voyons chope que. tous les toads. Parapluie disait: Oh mon Dieu! Je pense qu'il essaie de dire quelque chose. Le parapluie, il est complètement affolé. Ouais. Oh putain, non. Ah! Alors là, vous les allez voir directement la difficulté. Par rapport au premier stage. Un truc à scrolling. Ah ben voilà. Coucou Phoenix Wright 5. Pourquoi il parle de Phoenix Wright? Tu connais le boss de fin ou tu vas le découvrir en direct? Non, je le connais pas. Enfin bon, j'imagine que c'est Bowser, hein, forcément. Mais à part ça, je sais pas quelle gueule il va avoir. Ni la manière de le vaincre. Mais c'est quoi ce scrolling bidon là? Voyons, ouais, là c'est comme je dis comme toi, là c'est comme voyons, c'est un peu chaud là. J'ai pas le temps de monter. Peut-être planer. Alors sinon il y a le pouvoir cheaté de la princesse, celui qui est en haut à gauche, qui me permet de voler. Mais bon, du coup c'est un peu limité dans le temps. On peut pas voler à l'infini, bien sûr. Hop. Par contre, ça va être chiant si je dois trouver le dernier Toad là. On va essayer. Hein. Mais vraiment, c'est un jeu qui m'a assez surpris parce qu'en général, dans les Mario, ça c'est vraiment le skill qui compte quoi. En fait, c'est juste basique. Alors là, il y a plein de petits ajouts en plus de l'aventure quoi. Enfin, j'ai plein de petites choses. Il y a des petites capacités qui se débloquent. C'est vraiment pas mal. Moi, je Puis dois dire, je m'y attendais pas à ça de ce jeu-là. ouais, voilà, en fait. Oh, putain. Surtout que c'est un jeu qui est sorti au début de la vie de la console. Donc c'est vrai que pas forcément extraordinaire au niveau de la réalisation, mais au niveau du gameplay, c'est pas mal. Comment j'ai pas vu comment on fait des save states avec cet émulateur. On va essayer de s'en passer, mais bon. Je joue au clavier. Peut-être baisser dans File. Peut-être. Ouais, ça doit être là-dedans, je pense aussi. J'irai voir si je crève trop. Il y a des gens chauds pour un match Splatoon. Oh, ben moi j'aimerais bien jouer à Splatoon, oui. Ils ont rajouté une nouvelle arène aujourd'hui encore. Je sais pas si tu. T'as la Wii U d'ailleurs, Néon? Je sais même pas en fait. Et putain. Tu l'as la Wii U? Oui, je l'ai. Par contre, comme
Il est comme à une autre province parce que c'est comme fallait que je déménage pis ça, donc non, Ah, tu comme l'as je plus peux en pas fait y jouer. actuellement? Tu peux plus jouer, ouais. Moi, là, j'ai pas été dans une situation stable depuis mars. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que le sous-sol de où que j'habitais, il y avait eu des gros dégâts d'eau. Ah merde. Moi. Ça arrive aussi vers chez moi, mais on a la chance d'être protégé contre ça parce qu'on est assez en hauteur, quoi. C'est horrible quand. Enfin. Tu perds des biens matériels, quoi. En fait, franchement, j'ai rien perdu, c'était juste c'est comme je pouvais pas y habiter parce que la moisissure pis ça, là, fallait pas laisser ça là. Ah oh, ouais, j'imagine, hein. Par contre, j'ai enfin trouvé un appartement pour moi, là. Ah. Donc, au moins, il y a ça, Au là. moins, t'es tranquille. Moi. C'est un peu plus stable, on va dire. Moi. Puis là, je pourrais en fait dépoussiérer ma Wii U, là. Ce plateau a l'air intéressant quand même. Ouais, franchement, c'est. Je prends mon pied, même si le contenu est pas exceptionnel. Hein. Ils ont un peu bridé le truc. Voyons. Au début, je me plaisais pas trop parce que c'était comme genre vraiment plus multijoueur, mais lorsqu'ils ont comme genre dévoilé plus l'univers, là, ça m'intéressait là. Pareil, ouais. Au début, je comptais même pas l'acheter. Puis en fait, c'est le Nintendo Direct là du mois de mai. Ils avaient dévoilé un peu le mode solo et tout. Et puis surtout la démo hein, qu'ils avaient fait, la démo d'une heure. Je m'étais éclaté dessus. Je me suis dit, ok, Moi, c'est bon. c'est bien surprenant la magie de ce jeu-là. Ouais, voilà, une fois que tu le prends en main, en fait, ça a rien à voir, quoi. Faut vraiment y jouer pour se rendre compte. Puis même le mode solo, quoi, il est vraiment pas mal, il est assez long. Toujours pas fini. Ok, Enfin, j'avais lu un long, peu. entre guillemets. Il y a des idées vraiment originales, dedans. Bon, ok, là, j'avais un peu peur que ça allait être un peu comme bizarre, plus c'est plus multijoueur, mais ok, je vais prendre ton opinion pour acquis. Oui, après c'est sûr qu'il faut pas. Je pense pas qu'il faut. Mais putain. Voyons. Puis Faut tu pas reviens lâcher. au tout début, en Oh, plus. c'est lourd. Heureusement qu'on perd que un demi-cœur quand on meurt, mais bon, c'est lourd quoi. On est en train de souffrir en bas, là. Attends, comment on fait pour super mode de pause? La save state, c'est quoi le raccourci? 2. Snapshot, je pense c'est comme F8 Load. après ça, Ah oui, loader right, snapshot, CF7. ouais. F8. Oh. Ça? Snapshot, Ah je oui, pense que d'accord, c'est comme attends. des images. Merde, il faut que je l'enregistre quelque part. Ah, super, ça Oh, c'était-tu m'ouvre. un bouton du stream? Ça m'ouvre le truc. Mais oui, allez, super, Princess Peach, on s'en fout de comment ça se nomme. Ah. On a vraiment eu des problèmes aujourd'hui. Avec Oh ça. là 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 là, ouais. Oh là, ça marche mal, hein. Ah non, c'est F7. Ouais, ça m'ouvre Ah. le truc Windows, là, chaque fois que je veux écrire ou... bon. Voyons cette tana ça là. Ou alors si je fais deux comme ça... D'ailleurs, je sais pas si on m'entend mieux cette fois cette là, j'espère là. Moi, je sais pas, je t'entends bien. Comme je veux dire dans le stream, j'avais juste un peu entendu le stream puis ça avait l'air ok. Ouais, on va un peu se concentrer là. Il me faut juste récupérer 3 Toads. Mais après, je suis pas allé au boss final. Moi, c'est vrai, j'aurais peut-être dû le faire aussi, mais bon. Je pense que je l'avais prévu comme ça en fait. Parce que juste le boss final, ça aurait peut-être été un peu court. Mais bon. C'est peut-être pas forcément le niveau le plus intéressant non plus. C'est surtout jouer au clavier, quoi. J'avais pas prévu ça. Bon, au pire, si je suis en train de tomber, j'activerai Je me souviens des jours comme le je truc de la jouais à Super Princesse Meat Boy au Peach. Enfin, le souci, clavier. c'est qu'il faut que je clique dessus. Donc, le temps que je Ouais, reprenne ça ma sera souris en main. problème de connexion Hop. encore. Putain, ce passage, il est chiant, là. Il se finit jamais, ce truc. Bon, que j'avais eu un problème de connexion juste là encore. Ah, merde! Moi, bon ben, ça va à cette heure, là, mais j'espère qu'on m'entend pas moins bien.
Alors, deuxième partie du stage, les petits chiombes qui sont extrêmement hargneux. Donc pour l'instant, je vais utiliser ce truc-là, qui me redonne Ils ont en fait de la leur... vie. Ouais, là, ils Ils ont sont leur... endormis. Ils ont leur mignon pour te. Ah ben, pour l'instant, oui, tu vas voir quand je vais m'approcher. Y'a pitch et content. Voilà, alors gagner un peu de vie. Let's go. Dégage. Alors, ah oui, je me rappelle de ce stage, il est plutôt pas mal, ça me fait penser au dernier niveau de Super Mario Bros. DS d'ailleurs. Ah non, c'est pas ça. Ok, j'ai dit n'importe quoi. Je pensais que ça allait se tourner, que ça allait faire une rotation, mais il y avait un niveau comme ça où ça faisait une rotation. Est-ce que je peux passer là? Non, tu peux pas. Oui, c'est vrai. Merde. Ah oui, je peux faire aussi un truc avec le parapluie, c'est assez marrant. Comme ça, voilà. Je peux le porter et après l'avaler. Le parapluie avale les ennemis. Comme Oumia là, avec son sac à dos. Tout se retrouve. Merde. Bon, maintenant ça me rappelle, t'imagines-tu lorsque là comme les Shy Guys se font manger par Yoshi, c'est comme qu'est-ce que tu penses qu'ils voient? Un Ouais, voilà, peu glauque là, je pense. Yoshi. Bah, Yoshi encore, ouais, ça va, parce que c'est un dinosaure, mais. Non, c'est comme je veux dire, c'est comme les instincts du Shy Guys, c'est comme genre ils vont vers la gueule de le monstre vert ou peu importe ce quel couleur il est. Comme là tu y penses, c'est comme. Il va pas être à sa place. Complètement affolé les pauvres. Comment je fais là? T'as-tu pas quelque chose pour frapper de loin? Non, je peux juste faire comme ça. Non. Ah ouais, attends, si je me mets plutôt comme ça. Voilà. Oui, non, mais Yay! c'est tout simple. N'importe quoi, sérieux. Hop. On saute ici pour faire baisser celui-là. Ah oui, d'accord. Les ennemis repop, hein. Non, les corons, je pense qu'il peut seulement donner de la vie si elle a de l'énergie en jaune. Ce qui est en jaune, en fait, c'est Il demandait si, il demandait si tu pouvais redonner de la vie à l'infini, là. Ah, le truc vert, en fait. Non, non, c'est la barre jaune, en fait. En fait, quand je clique sur le cœur vert, je peux récupérer de l'énergie jusqu'à ce que la barre jaune soit écoulée, en fait. En gros, ma barre jaune, c'est de la magie et tous mes pouvoirs spéciaux que j'utilise. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait perdre de la jauge jaune. Ouais, t'étais-tu pas déjà là? Non, je sais pas, Non. je me souviens de cette formation de blocs là. Ouais, ça se ressemble un peu. Ah! Oh non! Oh! Les fourbes, quoi! Moi j'allais dire ça et tout là. Oh, sérieux! Il y a des trucs de bâtard dans ce jeu, faut pas croire. Il y a même un bestiaire, ce qui est assez rare dans les Mario. On peut admirer le bestiaire et tout dans les options. Allez! Est-ce que je peux pas monter là? Non, je suis obligé de passer à gauche. Donc là, ok. Ok. Hop, je prends ta carapace. On te bute. Petite pièce. Alors, comment je fais ici? Il sert à rien, lui. Je peux monter là, mais ça sert à rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, attends, je pense que tu peux sauter sur le coin de ce bloc-là. Peut-être, je sais pas, ça a l'air un petit peu sorti. Ah! Comme. Au pire, je peux faire comme ça. Hop! Voilà! Oh ben, pff, ok. Allez hop! On va pas s'emmerder. Même si ça consomme un peu. C'est peut-être même fait exprès, hein. Ah! Non, Safka propose d'utiliser les ennemis pour les interrupteurs. Ferait du sens puisque lui il réapparaît tout le temps. Pour les... Ah oui! Oui, ça peut. C'est possible, par contre, je l'ai buté, lui. Non. C'est possible de les lancer, oui. Ça doit être ça. Ou que tu peux aller en God mode comme t'as fait. Voilà. Salut!
Tu joues vraiment très bien, Larry. Ouais, ça me va droit au cœur, Aizen. Moi-même, je joue au clavier, bordel. Sur un émulateur que j'ai jamais utilisé. Sur un jeu sur lequel j'ai jamais joué au clavier. Mais vas-y! Voyons! Coupa de merde! Sérieux! Le copain, c'est un fou, là, il est Ah, juste content. il est content! Là. Bon, je vais prendre la carapace, on va tenter comme ça. Hop! Ah oui, mais. Ok! J'aurais dû le mettre plutôt, faire la lancer sur celui-là. Dégage, toi! Ouais, le bloc à gauche, ça fait monter le bloc de gauche. Okay. Par contre, faut que je regagne un peu ma magie là. Hop. Il est où l'autre? Ça devrait être bon. Voilà. Nickel. Bon, pour l'instant, c'est assez linéaire, mais. Attendez. Est-ce que je suis. Ça servait à quoi celui-là? C'est pas pour. Peut-être fais une save là pour pas que t'ailles à remonter. Ouais, mais je sais pas si ça a marché la save tout à l'heure. Ah. Right snapshot. Enregistré, ouais. Attends, je bouge un peu. Si je fais F7, ouvrir. The ROM image has crashed. Oh Quoi? Oh non, c'est de ma faute. ça fait planter! Ça fait fermer le truc! Va te Voyons. faire, émulateur! C'est quoi cet émulateur pourri? Je pense que c'est pour ça que je vais pas m'en servir. C'est pour ça que j'ai passé à Desmume. Ah ouais, mais Desmim, il voulait pas ma save. Oh putain. Je crois que ce live ne veut pas que je termine ce jeu. Il est où le machin? Puis en passant, je vois plus ton écran. Ah oui, du coup, ça a tout fait bugger. Oh, vous voyez le magnifique émulateur qui est revenu à la vie. Bon. Du coup, je sais pas. Je suis pas très motivé, quoi. Pas envie de refaire le truc. Ah, mon Dieu, je t'aurais pas fait proposer. Je peux pas. Ah, je peux même pas save avec nos GBA. Oh là là, que c'est de la merde. Non? Tu vas prendre une webcam et filmer une vraie DS. Ah, mais j'aurais pu, hein. J'aurais pu le faire, sauf que mon caméscope, il a pas beaucoup de batterie. Je sais pas comment on peut streamer ça après. Mais, ouais. Bon, je vais juste vous montrer, genre, les petits mini-jeux ou les trucs comme ça, puis on s'arrêtera parce que. C'est un peu foiré en fait, il aurait fallu que je récupère tous les Todd. Ah, c'est super fort! Comment je règle le volume déjà? Vite. Voilà. Oh non! Attends, ne me dis pas qu'il faut que je refasse les contrôles. Mais putain, ça a pas gardé les contrôles! Mon Dieu, c'est juste pas ta journée. Quel Par contre, je pense émulateur de. qu'aucune de tes journées, c'est ta journée. Considérant comme la dernière partie de GoldenEye. Là, ouais. Il faudrait peut-être que je plotte la prochaine vidéo, je l'ai tournée depuis un moment. Hein. Non, non, mais chaque vidéo n'est pas aussi difficile à tourner. non, mais aujourd'hui, je sais pas. Alors, vous avez le glossaire, il y a quoi là-dedans? Je sais plus, voilà, c'est le bestiaire, c'est pas mal. Tu vois, il y a même des Goombas tristes. Des Goombas fous. C'est assez original, quoi. Paragoomba. Sad Paragoomba. Il y a un peu de tout. Une espèce de Koopa énervé. Un Lakitu calme qui est en train de dormir. Un Spinny qui est en train de pleurer. De tout et n'importe quoi. Alors après, c'est vrai que c'est pas très varié, parce qu'on retrouve les mêmes ennemis qui sont exploités. Mad Big Boo! Ça fait peur. Je crois que j'ai perdu Néon, non, encore une fois? Ben, je suis là. Ah, attends, il faut que je refasse le partage d'écran. Ouais, c'est ça que. Désolé. Ben, ça va, Tellement de j'ai regardé bordel. un peu. Ok, stream. Là, c'est beau. Voilà.
Et du coup, à la fin, vous avez, attention, gros spoil, les boss! Piranha, le gros Pete hibou. Piranha qui est apparu dans plusieurs jeux pour une quelconque raison. C'est clair, même dans Mario Kart Double Dash. Moi. Ouais. Puis dans le nouveau Paper Mario ou Mario Luigi. Ah oui, ouais, c'est Je vrai. sais pas pourquoi il apparaît aussi souvent. Je sais pas. Il doit y avoir une espèce de hype autour de ce perso. Ça doit être cette bobette avec des pois blancs. C'est très stylé. Quand tu penses que Birdo aussi est exploité, c'est bizarre. Birdo, c'est classique. Ouais. Ouais. Allez, je vais vous montrer ce mini-jeu, il est pas mal. J'ai pas tout débloqué. Level 5. C'est un petit truc au stylet. Bon, là, je vais le faire avec la souris. C'est tout simple. Je mets la souris sur le petit Toad et je le dirige. Alors Oh après, ben. faut pas toucher les flammes. Voilà. C'est tout simple. Ça a l'air amusant. Voilà, c'est marrant. Après, il faut être précis parce que si vous touchez à peine un pixel du décor, c'est mort. Bon, tout est en feu. Au début, Toad ceci est est pas vraiment simple. dans le trouble. Ah! Attends, il y a un bug là. Il a l'air complètement paniqué. Ah voilà, bon, c'est sympa. Après, bon, c'est juste histoire de rajouter du petit contenu annexe. Mais voilà, je trouve ça sympa, quoi. Après, ça vaut pas les espèces de mini-jeux qu'il y avait dans New Mario Bros. DS, qui était quand même sympa. Qu'ils auraient dû mettre aussi dans Mario 3D Land. Ça aurait été pas mal de mettre des mini-jeux. Il y a quoi? Je crois qu'il y a un truc avec le souffle, mais je sais pas comment on fait pour souffler sur l'émulateur. Je crois qu'il y a un bouton qui remplace le souffle en fait. Mais bref, il y a un mini-jeu où il faut souffler pour faire sauter le Toad, pour qu'il évite les obstacles. Et il y a ça, c'est quoi ça? Il faut tirer sur les ennemis, je sais plus ce que c'est ce truc. Voyons. Toad Shot. Ah oui, voilà, il faut que je clique sur les ennemis qui pop. Il faut éviter les Mario qui font moins de 10. Il faut tirer les coups. Oh putain, il y a un Bowser de 10 points. Et voilà, en gros. Principe. Ah putain, j'arrive pas à cliquer. Ouais, d'accord. Que c'est merdique avec la souris. Il y a même des bombes. Oh non, pauvre Mario. Le pauvre Luigi ne vaut que 3 points. C'est clair. Contrairement à Mario. Putain, la bombe elle reste à côté. Donc voilà, bon c'est fun, après voilà, c'est juste histoire de proposer un petit truc annexe. Putain, mais j'ai fait 130 le score, le record. Comment j'ai fait? C'était pas terrible. Oh putain, mais c'est vrai, mais ce stream c'est n'importe quoi. C'est presque rien de ce que j'avais prévu, quoi. Le Oumia là, on est resté bloqué pendant une demi-heure sur là, c'est n'importe quoi. As-tu trouvé Staffy dans le jeu? Starfy, non, plutôt Staffy, les petites étoiles. Hein. Je savais pas qu'il y avait elle dans le jeu, donc. Peut-être un bâton, je sais pas là. Je veux bien savoir où elle est. Je sais pas Safka, si. si tu le sais. Là, je connais pas le jeu, mais Staffy, c'est comme Staff, c'est comme un bâton là. Je Ah ouais? pense qu'il y a un bâton avec des yeux et tout. Ah, je sais pas, mais Staffy, moi, ça me fait penser à un héros, en fait. Moi, Starfy. Ouais, Starfy, je sais pas. Le bonus, c'est pour revoir les rêves du parapluie, donc autant vous dire que c'est useless. Je vous en montrer un, c'est très passionnant. Peach, au cœur de la nuit, en train de bâiller. Ah! Where I am? Do I know you? Il y a le Je Père traduis tout. Noël. Pourquoi est-ce que je dors et ça? Eh, quelqu'un s'en vient. Ugh. Ah, c'est tout! Non, ok. Oh, je dois avoir m'étais endormi, là. Sans blague. Je pense que j'ai eu un rêve à propos de mon passé. D'ailleurs, le parapluie parle comme moi, là. Oh, qu'est-ce que je fais? Oh, c'est pas le temps de se rappeler du passé.
Lorsque tu te se reposer pour un petit bout, là, on va aller tuer des ennemis. Oh, il est violent, quoi. What the fuck? Après, en dessous, il y a un truc, mais je l'ai pas débloqué, donc je sais pas ce que c'est. Il va falloir finir le jeu. Alors, attention! Sur la scène! Oh, ça envoie du pâté. Papy Champi à la guitare. Il est hardcore. Peach Voice. Enfin bref, voilà, vous pouvez écouter la musique du jeu. Peach Hit 5 Live. Attention. Ça envoie du lourd. Stage clair. Bref. On quitte ça. Il y a quoi sinon? Ah oui, les petits puzzles. Dernier truc. Dans les niveaux, vous avez aussi des pièces de puzzle à récupérer. Là, je comprends pas pourquoi j'en ai encore 24 fois 4 à trouver. Parce que j'ai fini le jeu quasiment. Ou il y a peut-être un New Game Plus. Avec d'autres pièces de puzzle. Ces taudes-là sont juste en train d'admirer des points d'interrogation. C'est de l'art! C'est de l'art abstrait! C'est magnifique! Même Papy Champi l'intéressait. Non, il regarde même pas les tableaux, Papy Champi, quoi. Il n'a rien à foutre. Oh putain, le parapluie, il est heureux, hein. Allez, on va se terminer sur un petit puzzle. Quitte à faire du what the fuck, autant finir jusqu'au bout. Refaisons Peach en puzzle. Ça nous rappellera Banjo-Kazooie. Alors, comment on fait pour tourner les pièces? Ah voilà. C'est L et R. C'est très intuitif. Alors, ça c'était en bas, je crois. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Comme ça. Franchement, le puzzle, quoi, il a 12 pièces à tout casser. Il y a un timer. Ah oui, mais il fallait que je batte mon record. Mince. J'aurais dû aller plus vite que ça. Voilà. Il a l'air tough, le puzzle. Si ça, c'est pas du talent. Play again. Oui, tout à fait. Voilà. À noter qu'on peut. Tout est tactile dans ce jeu. Hein. On peut cliquer sur les menus. Pour y accéder, tout est intuitif. Donc voilà. En tout cas, si vous n'y avez jamais joué, je vous le conseille quand même parce que voilà, il est assez original, il y a pas mal de contenu. Et trouver tous les toads n'est pas si évident que ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc je crois qu'on va s'arrêter là-dessus parce que là, c'est en train de partir n'importe comment. Voilà, donc. Merci beaucoup, Néon, d'être venu, parce que quand même, c'est ton idée de venir. Bon ben, ça fait un grand plaisir. Ça fait un grand plaisir avec là. C'était une super idée de participer à ce live. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce What the Fuck. C'était n'importe quoi. Je sais même pas comment je vais faire pour faire la rediff, tellement c'était du n'importe quoi. Peach qui chante et Papy Champignon la guitare paye le groupe de ouf. Attends. C'est du haut level. La fin du jeu est décevante parce qu'on ne résout pas l'histoire du parapluie, garçon. Mais on sait pas, on n'a pas vu la fin du jeu, Sefka, juste. L'histoire du parapluie plus. Ah, mais d'accord, mais en fait, Sefka, t'as fini le jeu, je viens de comprendre. Ah, mais je savais pas que t'avais fait le jeu, en fait, d'accord. On ne résout pas l'histoire du parapluie, bon. En même temps, je dois te dire que moi, j'étais pas très intéressé par son histoire, mais bon. Pourquoi pas? La jauge infinie d'émotions. D'accord. C'est très difficile. Tu parlais de quoi, Bastien? Ah oui, du puzzle. Donc voilà, bon. Je vous dis bonne soirée à tous. Je sais même pas si je referai un live du coup. Je pense que je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer le boss final. Voilà. Histoire Moi. d'achever ça convenablement parce que. Ça part tellement en vrille les lives, chaque fois que je veux faire un truc, Touche pas. j'arrive pas à C'est pas grave. configurer, ouais, c'est trop chou. Voilà. Je pensais que Snapshot c'était les sextoys, excusez. Ben non, mais moi aussi, c'est évident, enfin, ça paraît du moins être ça, après load et write, mais non. Ça fait bugger le truc, donc voilà. Allez, bonne soirée à tous, et à la prochaine. Bonne soirée. A plus.